Salut à tous, c'est Iker et on est parti dans le 14e épisode de Batman Arkham Knight. Alors on doit aller sur la montgolfière, si j'ai bonne mémoire. On avait vu Nightwing et le pingouin dans le dernier épisode. Alors il faut toujours sauver Barbara Gordon, il faut toujours sauver Catwoman. On est au service... Alors, où il faut aller? Donc il faut aller sur la montgolfière, mais c'est où exactement? Alors, on va prendre de la vitesse. Alors, c'est là. Ils sont là. À 1000 mètres. On est parti. Hop, on va y aller en volant, en planant plutôt. Puisque c'est au-delà du pont et on peut pas y aller, je crois, en Batmobile. Et puis ils nous déconseillent d'y aller en Batmobile. C'est vraiment le bordel dans toute la ville. Ouais, regardez ce pont-là, le pont qui est au-dessus. Il est fermé. Donc on est obligé d'y aller en planant. Heureusement qu'avec la super tenue de Batman, on peut planer. Ce type, Firefly, je suis sûr d'avoir vu dans un film. Firefly. On est parti, hop, on est quasiment arrivé, 320 mètres, ok. Juste à côté de la tour Wayne, je fasse attention au radar là, aux hélicoptères, aux drones, c'est des hélicoptères ou des drones, je sais pas, c'est entre les deux. Le chevalier m'a donné une seconde chance, je le décevrai pas. Hop, on est arrivé. C'était fait exprès pour faire la classe. 22 mètres. Hop. La milice s'est emparée du dirigeable de Stagg et a établi une tour de guet munie de tourelles. Elle semble être contrôlée depuis ce poste de commande centrale. Je dois le neutraliser. Ok, chef. Ce soldat est muni d'un appareil qui peut tracer le système du mode détection. Si je l'utilise trop longtemps, il me localisera et alertera les autres. D'accord, faut que je le tue en gros. Faut que je le chope. T'aurais dû voir la tronche qu'a tiré Stagg quand on l'a repoilé. Il est où? Dirigeable. Il est pas là. Écoutez, je capte un signal. C'est peut-être Batman. Ouvrez l'œil pendant que je recherche. Bon, on est parti, hein, let's go. Ah, on est dans le mode ralenti. J'avais pas eu. Parfait. J'adore le mode ralenti. Ah oui, carrément. Il voulait enchaîner, mais il y a personne. Donc il y a lui. C'est lui qu'il faut choper. C'est celui qui est en bas là. Bon, on va choper celui-là d'abord. Let's go. Cool. Moi, je suis le roi de la discrétion. Hein. Lâchez-vous, un fumigène, ça y voit rien, hop. Il en reste un là. Et boum. Ah, il en reste plus qu'un. On va essayer de le choper en silencieux. Quand il en reste plus qu'un, bien évidemment. Il en reste plus qu'un, on le tue en mode discret. Fasse gaffe au drone peut-être. Bien, je me suis débarrassé de la milice. Maintenant je dois désactiver la tour. Ça a l'air d'être... Préparer le gel d'explosif LT. Alors LT c'est où? C'est là. Et répandre c'est RT. Ok. A chaque fois moi j'oublie un peu les commandes. Hein. Faut savoir que je joue pas, j'enchaîne pas les parties de Batman. Boum. Ah, c'est plutôt pas mal de voir arriver à péter un truc à distance comme ça, de péter l'ordinateur et ça fait péter les caméras. C'est un peu what the fuck. Qu'avez-vous trouvé? Eh bien, selon les plans d'origine du vaisseau, une trappe de service devrait être accessible sur le dessus de l'appareil. Il semblerait que Monsieur Stagg protège farouchement ses recherches. La sécurité doit être très élevée. Merci, Alfred. Où en est le dispositif de piratage à distance? Je vais bientôt en avoir besoin, Lucius. L'intuition devrait faire partie des prérequis pour ce travail, Monsieur Wayne. Je charge le logiciel de décryptage sur le dispositif dans le coffre. Ça y est, ça flame. International Plaza. Ça flame du côté de Lucius Fox. Vous avez l'avantage, les gars. Utilisez-le. Mais oui, c'est ça. Ils l'ont bien utilisé. Alors, faut aller où?
à la tour Wayne, donc ici, tout en haut. On va faire attention à l'avion. C'est pas trop un hélico, si c'est un hélico, on va dire. Plus un hélico, futuriste. Un drone. Hop, on monte tout en haut. J'espère pas me retrouver nez à nez avec la créature de l'autre fois. Hein. Maintenant, à chaque fois, je suis un peu paranoïaque quand je monte ce genre de truc. Je m'y attends. Je me dis, bon, comme ça, je serai un peu moins surpris. On est arrivé. Un petit coup de regard ténébreux. Et on est parti. On va choper un nouveau gadget. Gadgeto détecteur. Gadgeto dispositif de piratage à distance. Décodeur et module de piratage polyvalent. Ok, let's go. Il y a une écoutille de service en haut du dirigeable. Ah, je peux utiliser le dispositif de piratage pour entrer. Je peux pas la faire. Saisir un ennemi à terre et lui infliger une raclée critique. Ça c'est cool ça. Ah, il n'y a pas l'affaire. Il y a modifier le filtre, afficher le profil du joueur, fermer. J'ai l'impression qu'on ne peut pas faire cette mission. Ouais, on peut pas la faire, tant pis. On continue. Alors, faut aller là-bas. Faut aller là-haut. On va sur la montgolfière. Enfin, c'est pas montgolfière, c'est dirigeable plutôt. Et zeppelin. Zeppelin. Est-ce qu'il faut pirater quelque chose dans le jet explosif? C'est pas ça, c'est pas ça. Une tour de guet en place exprès. Du côté des quais, sur la côte est de Founders Island. Procédez comme pour les autres, Maître Bruce. Échanger la mission, on va remettre la mission. Voilà, la mission est principale de l'épouvantail. Donc là, faut que je prenne le truc pour que j'ai eu de le nouveau truc là. Dispositif de piratage à distance. Hop. Apparemment, c'est pas ça. Non. Ok. Galerman est de retour donc. Pour un nouvel épisode. RT plus B. L'écoutille est verrouillée de l'intérieur. Si je trouve le panneau de contrôle, je pourrais forcer la sécurité. Ah, fallait que je fasse ça d'abord. Piratage okay. À distance. Le panneau de contrôle. Il est là. Donc là, si je vise, c'est bon. Faut que je vise. Voilà. Oula. Ah ouais, ok, d'accord. Faut que je me serve des deux joysticks pour trouver le mot de passe. Non, vous êtes pas couché, hein. On se revoit demain. Alors, c'est où? Ah. Brioche? Non, Bioshi? Bon, ouais, je galère, hein, comme prévu. Comprendre comment ça fonctionne, quoi. 38 ans plus tard. Et Batman est toujours coincé en haut du zeppelin. Ah, on a trouvé! Il aura fallu que 48 ans. 48 ans pour permettre à Batman de passer. Dans la montgolfière. Là il y a des trucs là. Il y a ça. Pirater ça? Ça a pas l'air hein. Pas l'air d'être un truc hyper cool. Il y a méchants, il y a des méchants là. Non, a priori il n'y a pas de méchants. Il y a une trappe là. Là il n'y a rien d'autre j'ai l'impression. On va ouvrir. Let's go. Hop. J'aime bien comment il démonte les trucs à chaque fois. Ensuite, là il y a une trappe. Ok. Est-ce qu'on peut faire un truc avec les drones? Est-ce qu'on peut pirater? Je devrais viser le soldat qui est aux commandes du drone. Ah, c'est le soldat. On pirate la tête du soldat. Non, on pirate la télécommande du soldat. Maintenant que j'ai les codes, je vais pouvoir retourner RT, le drone. RT, neutraliser les cibles. C'est pas un truc avec des hostiles?
Ah oui, il faut se mettre d'abord sur le drone. Ok, d'accord. Je commence à comprendre. Pas mal. C'est plutôt cool. C'est plutôt fort. C'est vrai que si on peut faire ça tout le temps maintenant et éviter de se battre, ça évitera que je meure. Oui. Donc il y a là. Il y a là. Ah oui, là-bas. Ça là, non? Ah oui, ça c'est bon. Encore un mot de passe. Cette fois-ci, ça va être quoi? Ah, c'est plutôt court. Et... voilà, j'ai une correspondance. Le problème, c'est que moi, je bouge les deux, alors je vois pas lequel c'est. À chaque fois. Et voilà. Protéines. Ah, ça a ouvert là. Cette trappe est plutôt engageante, tu ne trouves pas? Cette trappe est plutôt engageante. Ah ouais, il y a une trappe là, d'accord. Ok. Je vois que vous avez réussi à entrer, monsieur. Avez-vous trouvé monsieur Stark? Ah, bien évidemment. Pas encore. Le chevalier d'Arkham et les hommes de l'épouvantail ont tué tout le monde sur leur passage. Ils ne sont sûrement pas là par hasard. Alors j'essaye de marcher, mais je ne peux pas. Le jeu refuse que je marche. Regardez, regardez. Hop. C'est scripté. On va arrêter de marcher, ça fait un peu débile. Capturez les pouvoirs et vous sauverez la ville entière. C'est ce que Mademoiselle Gordon aurait voulu. Je ne perdrai personne d'autre, Alfred. Une chercheuse de renom qui pourrait trouver sa place au sein de notre entreprise. Ou vous êtes peut-être un investisseur que nous jugeons assez clairvoyant pour saisir l'importance des innovations que nous avons. Ah, il faut que j'aille dans le truc que j'ai ouvert. Là. Pirater. Maintenant, je devrais pouvoir contrôler complètement le système de stabilisation du dirigeable. Par contre, le dispositif de piratage ne fonctionnera qu'à portée d'un terminal de contrôle. LB. L. Inclinaison du dirigeable. Ah oui, carrément. Ah ouais. Et là, qu'est-ce qui bouge? Est-ce que c'est bon là? J'ai bougé la caisse normalement. Ah, je peux pas. Je comprends pas. Ok, on va incliner encore. On va essayer de comprendre. Ouais, on peut incliner que de gauche à droite. Logique, en même temps. D'accord. Donc a priori il faut faire bouger la caisse, c'est pour ça qu'il y avait une trappe dessus. Et la question c'est... comment je sors le mode, du mode? La caisse revient là. On va lui dire au revoir. Donc là voilà, normalement la caisse. Voilà, la caisse devrait dire au revoir. Au revoir la caisse! Ah carrément! Allez passer à travers la fenêtre! Ah, on a tué 3... ah, on me dit dans l'oreillette qu'on a tué 17 personnes par la caisse qui est tombée de la montgolfière. Quel dommage. Il fallait pas être là. Batman ne voulait pas. Ouf, j'ai le vertige. Donc, on va plutôt partir. Hop. Let's go. Donc là, il y a encore un truc avec la clinaison. Ah oui, il y a encore un truc avec la clinaison. Voilà. Attends, j'aimerais bien descendre. Le jeu veut pas que je descende. Ça c'est plutôt pas mal. Il y a un mur invisible. Ouais, on peut pas descendre. Alors si le jeu se met à bugger, on n'est pas couché. Hein. On va refaire le truc. On va faire comme si de rien n'était. On refait, voilà. Donc là, hop. Hop. Et maintenant on essaye de passer. Ah bah maintenant on peut. Donc c'était ça le problème. Le jeu me fait galérer. C'est pour ça qu'on m'appelle Galerman. En plus. Je vais ridner, hein. Je vais arrêter de m'appeler Iker. Je vais m'appeler Galerman. Ah oui, pas mal. Je voulais pas monter sur la caisse, je voulais appuyer sur le bouton là. Mais on peut pas. C'est peut-être avec le truc alors. Ah oui, c'est avec le truc. Ok, donc quelle est la différence? Quelle est la différence? Ok, d'accord. Et dans l'autre sens.
Ah d'accord. Donc quand c'est en vert, elle reste collée, j'ai l'impression. Ok. D'accord. Faut que je fasse quoi? Donc je passe. D'accord. Je pense que j'ai compris. Donc on va réincliner dans l'autre sens. On va activer, on va mettre en roue. Donc là normalement ça va se détacher. Et je peux passer. Voilà, trop fort Iker. Les énigmes ça va. Ah bah non, j'ai cru que je pouvais passer, j'ai cru que c'était pas ça. C'est quoi ça? Les points d'interrogation. C'est l'homme mystère? Oui, c'est l'homme mystère. A priori, c'est l'homme mystère. Ah, il y a un point de... Une sorte de point là. Un truc, les interactions qu'il faut. Ok, ça allume le point. Ok. Et comment on fait pour aller au point? D'accord, ok, il faudra passer par là. Ok, donc j'ai compris. J'ai compris, il faut utiliser la... Le batrang. Le batrang télécommandé. Et on va essayer de passer sur la droite, là. En espérant que ça soit pas... Vous savez, dans les vieux jeux, là, il y avait pas d'espace. En fait, il y avait l'impression d'avoir un espace, mais il n'y en avait pas. Si, il y avait bien un espace. Et on réussit du premier coup. Ok. Et maintenant? Maintenant? Non. Ah, ça va peut-être faire quelque chose. Ah, ok. Défi de l'homme mystère terminé. C'est cool. Maintenant, faut faire quoi? En haut. Ah oui, en haut. En haut, RB. Le grappin. Le petit coup de grappin magique. Et comme par hasard, il y avait un mec qui nous attendait là. Il savait pas quoi faire de sa journée. Il nous attendait là avec ses lames. Il était en train de couper la dinde. Elle poussait vers l'extérieur. Y poussait vers l'extérieur. Contrer la lame. Allez, boum. On le défonce. Et on fait du combo. Et boum. Au revoir. Et on fait de l'expérience. 440. D'ailleurs, ça fait un petit moment que j'ai pas mis de points. Faudra que je le fasse. On va pirater là. Non, c'est pas ça. Pirater. C'est le petit dispositif. Et hop, on pirate. Alors est-ce qu'on s'est amélioré avec ce truc? S'améliorer. Élément. J'avais trouvé du premier coup. Élément. Élémentaire, mon cher Watson. Ces soldats tiennent Stagg. Oh, il va y avoir d'abattre. Son état, il n'en a plus pour longtemps. Je dois le sauver. Où sont les fichiers? Je ne vous dirai rien. D'accord. Le compte coupe les doigts. Il y a l'air d'avoir un gros monsieur là-bas. On va commencer par là et voir jusqu'où on peut remonter avant. On va faire un coup de pied. Pitié. On va faire un super coup de pied. Coup de pied magique. Allez, boum. Un petit. On va se dégourdir les jambes. C'est parti. Ah, il a des lames. Il a des lames lui aussi. Au secours. Alors c'est. Ah d'accord, c'est. Oula, oula, c'est pas ça que je voulais faire. Attention, je prends des coups là. Oh là là, on galère, on a déjà plus de billes. Oh non, il y a un rouge là. Moi les rouges, j'arrive pas à les contrer. Faut faire un truc, faut envoyer un truc sur lui. J'ai pas l'expert. Oh, il a pas lancé une caisse à la tronche. Allez, faut tuer tous les petits, on tuera le gros après. Oh non! Ça y est, on a 4 HP. On est mal barré. Hein. Oh, j'ai été touché. Oh, j'ai été touché, ça m'a tué alors que je faisais mon move encore. Oh là 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 là. Ouais, si j'avais été aux commandes, ça serait jamais arrivé. Allez, c'est ça. Allez. Bon. Bah, ça faisait longtemps qu'on n'était pas mort, hein. Sur une baston. Les bastons, généralement, ça va. C'est les infiltrations que je galère, mais les bastons, d'habitude, je meurs pas. Je crois que c'est une des premières morts sur baston. Ah non, c'est une de mes deuxièmes. Deuxième ou troisième, je crois. C'est vrai que dans l'autre épisode, j'allais galérer aussi. Où sont les fichiers? Je ne vous dirai rien. Ce qui c'est bien, c'est d'arriver à tuer l'immense en premier, mais c'est très dur parce que les petits, ils veulent vous empêcher de le faire. Enfin, les petits. On va dire les hommes normaux. Pour tuer Goliath, c'est pas facile. Allez, le but c'est de faire des combos. Là c'est pas très dur, j'appuie sur X hein, simplement. Et Y quand il y a un adversaire qui s'approche.
Et quand on enchaîne bien. Ouch. Il a failli m'assommer. Coucou toi. Encore un coup. Et ça fait pas de dégâts le fait d'être assommé. J'ai pas perdu de PV. Y. Voilà, donc vers l'extérieur. Moi j'ai raté. On a quasiment fini. Allez, 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 celui-là, au revoir. Il restera plus que le grand. À l'autre, il nous envoie un mec carrément. Allez, tais-toi. Je veux tuer le petit. Laisse-moi tuer ton petit frère. Voilà. Maintenant, je tue le géant. Ah non, 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 non. Couché. Voilà, couché. B. Et maintenant, on te tape. Allez. Et c'est bon, on va gagner. Et boum. Au revoir. Bon. On a 1375 XP. Ah oui, il y a le mec, c'est vrai. J'avais complètement zappé. Merci. Ils allaient me faire la peau. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais rien. Ces brutes ont juste débarqué et ouvert le feu. Ils voulaient récupérer ces cylindres. Des générateurs Nimbus. Une cellule énergétique entièrement propre sur laquelle on travaille. Où est l'épouvantail? Sur le deuxième dirigeable. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec lui? Oh, vous pensez à Barbara Gordon? What? On sait tous les deux qu'elle est sur bon. Ça y est, il a des alus. Le mec n'existe pas? Le mec n'existait pas? C'est une alu depuis le début? What the fuck? Ouais, ok. Ouais, mais il bouge pas. Hein. Ouais, on l'est, ok. Ok, on peut pas appuyer sur le radar, donc on peut pas se barrer. On peut juste leur taper dessus, quoi. Ok, on peut juste faire ça, voilà, boum. On va s'amuser un peu. Sachant qu'ils répondent pas, c'est pas très dur. Ah, il y a carrément des jokers maintenant. Batman qui pète une durite. Ah, se débattre. Boum. Ah si, il existe le mec, il est là. La ferme. Dis-lui adieu, c'est la dernière fois que tu le vois. Ok. Bon bah voilà pour cet épisode, on se retrouve pour l'épisode 15 de Batman Arkham Knight. Allez, salut.